Bienvenue à cette émission Espoir. Quand il n'y a pas l'espoir pour le futur, il n'y a pas de motivation pour le présent. Cette émission est là pour vous donner encore l'espoir à un avenir meilleur, que les choses peuvent changer, que le monde peut changer, que la vie peut devenir, peut être mieux que ce qu'elle est actuellement. Et je crois qu'il ne faut jamais perdre espoir. Je répète encore, quand on n'a plus d'espoir pour le futur, malheureusement, on n'a plus de motivation pour le présent. Je vois beaucoup de personnes qui manquent de motivation actuellement parce qu'ils se disent que la vie ne peut pas s'améliorer, la vie ne peut pas changer, les choses ne peuvent pas changer. Mais j'aimerais dire qu'en fait, les choses peuvent changer, la vie peut s'améliorer, Dieu peut changer les choses, ça c'est sûr et certain. Alors, je salue tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre un peu partout dans le monde. Nous recevons vos messages, hein, on reçoit vos messages, vous êtes plusieurs à nous envoyer des messages, des demandes de prière, des requêtes par exemple, et aussi des encouragements, on reçoit vos messages d'encouragement. Et j'aimerais vous dire que ça nous fait du bien de recevoir vos messages, parce que oui, c'est vrai que... On a souvent l'habitude de parler, on a souvent l'habitude de donner, etc. Mais c'est bien de recevoir aussi des messages, vos retours. Alors n'hésitez pas à nous envoyer aussi vos retours. N'hésitez pas à vous envoyer ce que vous voulez voir, etc. N'hésitez pas à nous communiquer, à nous envoyer vos encouragements. Ça nous fait plaisir de lire aussi cela. Donc de la même manière qu'on vous bénit, de la même manière que cette émission vous bénit, vous aide à avancer. Automatiquement, ça peut aussi être juste un remerciement parce que parfois on oublie de dire merci. On pense seulement à ce qu'on souhaite, ce que l'on souhaite ou encore ce qu'on veut. Mais on oublie que le remerciement est l'une des choses les plus importantes. D'ailleurs, c'est un peu ce que je dis souvent à ma communauté, c'est que la prière de remerciement est l'une des plus puissantes des prières. Aujourd'hui, la majorité des gens ne savent pas comment dire merci, ils ne savent plus comment dire merci à Dieu. C'est-à-dire que dès le matin, avant même de dire merci à Dieu, ils sont déjà dans leur téléphone, avant même de savoir s'ils sont capables de parler, avant de savoir s'ils sont en santé, ils sont déjà en train de regarder les informations, ils sont déjà en train de vaquer aux occupations. Pourtant, quand tu te lèves le matin, la première chose à faire déjà, c'est de dire merci à Dieu pour la vie. Alors, j'aimerais te dire que si tu crois que c'est ton alarme ou encore ta sonnerie qui t'a levé ce matin, essaye de mettre cette même sonnerie, cette même alarme à côté, à la morgue, pour voir si ça réveille les morts là-bas. Donc, si tu as l'opportunité, si tu as l'opportunité d'être en vie aujourd'hui, si tu as l'opportunité de me regarder aujourd'hui, n'hésite pas surtout à toujours dire merci pour la vie, merci Dieu pour la vie. Tu n'as pas besoin de faire une prière qui va durer des heures et des heures. Dis seulement merci Seigneur pour la vie, etc. Et ce sera bon déjà. Donc il est important, la prière de remerciement est l'une des plus puissantes prières. Et à cause de cette prière-là, c'est la raison pour laquelle certains démons partent et reviennent aussi facilement, qui sont revenus à cause de notre manque de remerciement. Alors n'oublie jamais de dire merci à Dieu. Nous sommes le réveil des nations internationales. Alors ici, nous ne croyons pas en la religion. Dans notre communauté, nous ne croyons pas en la religion, mais l'amour est notre religion. Dans notre communauté, nous ne croyons pas en une religion quelconque. Hein. L'amour est notre religion. Comment peux-tu prétendre aimer un Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer la personne qui est à côté de toi? Comment peux-tu prétendre aimer quelqu'un que tu ne vois pas et ne pas aimer la personne qui est à ta gauche, la personne qui est à ta droite? Mais nous savons qu'il est là. Et si nous avons l'amour, nous devons nous aimer les uns les autres. Alors, juste quelques annonces avant de vous partager le petit message que j'ai pour vous aujourd'hui, parce que j'ai en même temps une exhortation, en même temps une motivation pour le corps de Christ aujourd'hui. C'est que déjà cet après-midi, nous avons donc une réunion des jeunes qui est intitulée Identité, dont à partir de 15h, de 15h à 17h. Si vous avez des jeunes à la maison, vous pouvez les envoyer au 13 Actes du Gazon de Bourgogne, Petit Pérou, aux Abîmes. Si vous avez des jeunes à la maison, envoyez-les. Vous savez, le plus grand problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est le manque d'identité. Ou encore de l'adolescence aujourd'hui, c'est le manque d'identité. Les jeunes sont en manque d'identité, les enfants sont en manque d'identité, ce qui fait en sorte que malheureusement, quand ils sont en manque d'identité, de même, ça fait qu'ils se comparent aux autres. Ils se comparent, par exemple, aux vidéoclips qu'ils regardent. Parce que souvent, aujourd'hui, à la télévision, parfois, mais il y a des vidéoclips sur vidéoclips. Il y a tellement de vidéos, il y a tellement d'influences visuelles. S'ils n'ont pas d'identité, automatiquement, ils vont se corrompre. S'ils n'ont pas d'identité, ils vont réellement ils vont vouloir être influencés par ce qu'ils voient. Nous avons besoin d'une génération de jeunes qui ont des valeurs. C'est pour ça que l'identité est importante. L'identité, ça veut dire que même quand, vous savez, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs séminaires dans des écoles, dans des universités, que ce soit du Canada, j'ai intervenu à l'université de Montréal, à l'université McGill aussi, dans un atelier. J'ai eu l'occasion d'intervenir dans plusieurs universités dans le cadre de formation pour la motivation pour les jeunes, que ce soit même ici ou ailleurs, en Martinique, etc. Et je me suis rendu compte que l'éducation des parents se gâte à l'école.
L'éducation des parents se détruit à l'école. Pourquoi? Parce que peu importe ce que tu dis parfois à la maison, quand il arrive à l'école, il parle avec d'autres personnes. Il est influencé par ses amis, il est influencé par des personnes autour. Automatiquement, c'est comme si tu n'avais rien dit. Je crois que l'enseignement sur l'identité est la base de tout. Quand tu enseignes à ton enfant qu'il a une identité, qu'il n'est pas n'importe qui ne peut pas se rabaisser à n'importe quoi, automatiquement, tu enseignes un guerrier, tu enseignes un soldat de demain. Ça fait en sorte que quand il va à l'école, même si tout le monde va à gauche et à gauche n'est pas dans ses valeurs, même s'il est seul, lui, il va décider d'aller à droite. Même si tout le monde va à droite et que ce n'est pas dans ses valeurs, il va décider donc d'aller à gauche. Nous avons besoin des jeunes qui ont une identité forte. C'est très important, même que ce soit des hommes qui ont une identité forte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes qui ne savent pas comment traiter des femmes. On a beaucoup d'hommes qui ne savent pas comment le faire, qui lèvent même la main sur elles. C'est un problème identitaire. C'est un problème d'identité. Et tout ça a commencé il y a 1945 par rapport aux hommes. Bref, ça c'est un sujet qu'on abordera et éventuellement, parce que l'homme est revenu de la guerre, il a trouvé que la femme n'était plus là. Automatiquement, depuis ça, il a eu une crise d'identité. C'est pour ça qu'il est important que les jeunes garçons puissent être enseignés sur leur identité. Pareil aussi pour les jeunes filles. Les jeunes filles ont besoin d'avoir un enseignement sur l'identité afin de ne pas accepter quoi que ce soit. Alors c'est important de le comprendre parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes filles qui se rabaissent, qui se minimisent, qui acceptent qu'on leur fasse n'importe quoi, qui acceptent qu'on lève même la main sur elles et elles sont là seulement. Elles pensent que, dans leur subconscient, elles pensent que c'est comme ça qu'on les aime. Pourtant, ça n'a pas du tout, ça n'a pas d'importance. Peu importe, quelqu'un qui te manque du respect, tu n'as pas à rester là. Quelqu'un qui te manque du respect, tout le monde a droit au respect. C'est pour ça que même les jeunes filles ont besoin de cet enseignement-là pour comprendre qu'on ne peut pas me parler n'importe comment, on ne peut pas me faire quoi que ce soit, on ne peut pas me toucher n'importe comment, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas m'essayer n'importe comment. Tout ça, c'est un problème d'identité. Parce qu'aujourd'hui, regardez un peu ce qui se passe. Beaucoup sont justement dans une crise identitaire où comme ils n'ont pas confiance en eux, comme les hommes n'ont pas confiance en eux, comme certains n'ont pas confiance en eux, comme certaines jeunes femmes aussi n'ont pas confiance en elles, ça crée aujourd'hui un désordre. Pourquoi? Parce que tout le monde se permet n'importe quoi. J'aimerais te dire quelque chose. Quelqu'un qui ne te respecte pas, tu n'as pas à rester là. D'ailleurs, j'ai dit à la communauté, j'ai dit à l'église que une personne qui est à côté de toi et qui ne te multiplie pas, tu dois t'en séparer. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes en 2022, nous ne sommes pas dans un temps où on perd du temps, où j'ai grandi avec lui, où il n'y a plus d'hommes sur la terre, il n'y a plus de femmes sur la terre. Je suis désolé. Les personnes qui sont à côté de toi doivent te multiplier. Si une personne qui est à côté de toi ne te multiplie pas, elle n'a pas à rester là. Ça veut dire que c'est une sangsue. D'ailleurs, j'ai donné l'enseignement sur les sangsues la dernière fois. Je vous ai dit que la sangsue, le but de la sangsue, c'est de boire tout ton sang. Le but de la sangsue, quand tu as des sangsues autour de toi, c'est de prendre ton sang. L'objectif de la sangsue, c'est pas que tu meurs. L'objectif de la sangsue, c'est de boire ton sang. C'est pour ça que, bon, bref, ce que je veux dire, c'est revenir à cette annonce. Donc, cet après-midi, à 15h, au 13 Actes du Gazon de Bourgogne, Petit Perreux Abîme, si tu as des jeunes à la maison, ramène-les, appelle au numéro qui s'affiche à l'écran pour dire que tu as envie de les ramener. Tu peux venir avec eux, ils vont recevoir un enseignement identitaire. Non seulement recevoir un enseignement, mais ils seront connectés à d'autres jeunes qui connaissent aussi leur identité, d'autres jeunes qui travaillent sur eux, d'autres jeunes, parce que, veut ou veut pas, entouré de dormeurs, tu finiras par avoir sommeil. Ça, c'est sûr et certain. Donc, quand un jeune est entouré de personnes qui font que du n'importe quoi, clairement, il fera du n'importe quoi. L'entourage est plus fort que l'individu. Hein, on va se le dire, on va pas se le cacher. L'entourage est plus fort que l'individu. Ça veut simplement dire que si dans ton groupe d'amis, il y a 10 stupides, ça veut dire que forcément, tu es le 11e. Si dans ton groupe d'amis, il y a 11 bêtes, ça veut dire que tu seras le 12e. Pourquoi? Parce que l'environnement est plus fort que l'individu. Donc, cet après-midi, à partir de 15h, ramenez-les et ça va leur faire du bien. Ça ne peut que leur faire du bien. D'une manière, vous n'avez rien à perdre. Ils ont besoin de cet enseignement. La semaine prochaine, nous avons un séminaire prophétique. Alors, il est très important. C'est notre premier séminaire de l'année, séminaire prophétique, donc vendredi, samedi, dimanche. Donc, compte tenu du couvre-feu, le séminaire se déroulera à partir de 17h30. Donc, c'est un séminaire important. Pourquoi? Parce que nous devons donner la tangente prophétique à l'année. Donc, peu importe ce qu'il y avait comme malédiction inconnue, difficulté,
difficulté, tous ces problèmes-là, nous allons les traiter de manière prophétique. Pourquoi ? Parce que c'est le spirituel qui domine sur le naturel. Ça, c'est sûr et certain. C'est le spirituel qui domine sur le naturel. Ça, c'est tout le monde le sait. Avant que quelque chose soit physique, elle est d'abord spirituelle. Donc, vendredi, samedi, dimanche, nous aurons ce séminaire. Alors, n'hésite pas à venir dans le Réveil des Nations Internationales, hein, très exact, du gazon de Bourgogne, Petit Pérou. Si tu as besoin de plus d'informations, tout à l'heure, l'information va encore s'afficher. Tu appelles le numéro, tu veux participer. Il est très important. Alors, je vois beaucoup de personnes se dire qu'on a seulement besoin d'un peu de prière, juste une prière, etc., ça va changer. Je suis désolé, parfois, il faut plus que la prière. Parfois, il faut des déclarations. Parfois, il faut l'imposition des mains pour que ta situation change. Alors, si tu es là, ça fait des années que ta situation n'a pas changé et que tu es à la maison pensant que ça, par miracle, les choses vont changer à la maison, je suis désolé. À un moment donné, il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu te déplaces. Il faut que tu montres à Dieu que tu as envie d'être guéri. Il faut que tu montres à Dieu que tu as envie d'être sauvé. Ça, c'est très important. Et bien entendu, je termine avec, donc, demain dimanche, nous avons notre culte de gloire et de puissance. Alors ça, c'était quelques annonces que je voulais partager. Je vais revenir dessus tout à l'heure par rapport aux annonces. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste encourager un peu une personne. Pas forcément quelqu'un qui dit qu'il croit ou qu'il ne croit pas. J'aimerais encourager une personne. Il y a un verset qui me plaît dans la Bible. C'est le verset de Actes, le chapitre 1, le verset 8. C'est d'ailleurs ce que j'ai partagé hier soir dans notre live. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Alors, la Bible dit, vous recevrez une puissance. Alors, très important, nous sommes dans une année compliquée, nous sommes dans une année où on ne comprend pas forcément ce qui va arriver, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Tu n'as aucune idée ce qui va se passer demain, tu n'as aucune idée ce qui va se passer après-demain, tu n'as aucune idée ce qui va se passer dans quelques mois. Mais une chose que tu peux contrôler, c'est ce que tu fais maintenant. Une chose que tu peux contrôler, c'est ce que tu es en train de faire, ce que tu vas faire tout de suite là. C'est ça que tu peux contrôler. La Bible dit, vous recevrez une puissance. J'aimerais dire à un homme, à une femme qui est en train de me suivre, on est fatigué des croyants qui font que mémoriser la Bible. On est fatigué des croyants qui sont que des religieux. Je répète que la religion, c'est les activités de Dieu sans Dieu. C'est les activités de Dieu, mais Dieu n'est pas là. On est fatigué des croyants qui disent qu'ils servent Dieu, qui disent qu'ils vont à l'église, mais on ne voit pas le changement dans leur vie. On ne voit pas le changement dans leur cœur. Cette année, c'est une année assez décisive, où tu ne sais pas ce qui va se passer demain, mais tu peux changer quelque chose aujourd'hui qui va affecter ton lendemain. Ça, c'est très important. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Je crois que cette pandémie nous a tous mis d'accord que personne n'est au contrôle de sa vie. Personne ne contrôle sa vie. Tu ne contrôles pas ta vie. Je dis, tu ne contrôles pas ta vie. Donc, tu ne peux pas contrôler ce qui va se passer demain, mais tu peux contrôler ce que tu fais aujourd'hui. Je disais encore dans une certaine vidéo qu'on ne change pas son passé. Tu ne peux pas changer ton point de départ. Tu ne peux pas changer comment tu as commencé. Ton point de départ ne peut pas changer là où la famille où tu es né, qui t'a accueilli ou peu importe, ou encore la ville où tu as grandi, ce que tu as fait dans le passé. On ne change pas son passé, mais il y a une chose que tu peux changer, c'est que tu peux décider aujourd'hui de changer de direction. Tu peux décider aujourd'hui de changer cette direction-là. La Bible dit, vous recevez une puissance, mais la puissance que tu reçois, ce n'est pas seulement pour que tu puisses dire que tu connais la Bible. Ce n'est pas seulement pour que tu puisses te vanter que ça fait longtemps que tu vas à l'église, que tu as fait ta catéchèse, ou peu importe que tu es spirituel, ou encore, que, etc. Ce n'est pas pour te vanter de ça. C'est pour faire quelque chose. C'est pour accomplir quelque chose. La puissance, tout homme a une puissance déjà. Une puissance que cette personne reçoit déjà de Dieu. Je disais à la communauté il y a quelques mois, j'ai dit que toute personne est déjà plus grande que le diable. Toute personne, même si la personne ne connaît pas Dieu, cette personne est plus grande que le diable. La Bible dit que Dieu a créé l'homme de peu inférieur à lui. La Bible ne dit pas que Dieu a créé le croyant ou encore l'enfant de Dieu de peu inférieur à lui. La Bible dit, Dieu a créé l'homme de peu inférieur à lui. Maintenant, quand la Bible dit, vous recevrez une puissance. Cette puissance-là, c'est pour faire quoi? C'est pour dominer le monde, c'est pour faire quelque chose. C'est pour aller là-dehors et accomplir quelque chose dans ton domaine, avec tes dons, avec tes talents. C'est pour ça que je viens motiver un peu certaines personnes, parce que cette semaine, j'ai eu plusieurs rencontres. J'ai rencontré pas mal de personnes. Et depuis d'ailleurs, c'est le même discours que j'entends. La vie est difficile. C'est dur dehors. Je comprends que ça peut être compliqué dehors. Je comprends que ça peut être difficile aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce qui t'arrive qui est important. Mais c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive qui est important. C'est pas ce qui va t'arriver. C'est pas ça l'essentiel. C'est ce que tu vas faire
de ce qui t'arrive qui est important. Alors j'aimerais te dire, toi qui es en train de me suivre, arrête simplement de te lamenter, arrête de dire que voilà, arrête de te comparer aux autres, arrête de comparer ta vie avec la vie de quelqu'un. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Tu peux faire quelque chose de mieux, tu peux faire quelque chose de meilleur. Comme j'ai dit, tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux décider aujourd'hui de changer de direction. Alors change de direction sur ce que tu fais, change de direction avec tes fréquentations, change de direction là où tu vas, change de direction même dans ton côté professionnel. Ça fait des années que tu pleures en disant que voilà, tu n'aimes pas ceci, tu n'aimes pas ceci, tu n'aimes pas ton boulot, mais pourquoi tu restes? Je crois que c'est une année de décision. Et je le disais en début d'année, nous sommes en 2022, c'est une année de décision où tu dois prendre la décision pour ta vie, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu ne sais même pas si tu seras en vie demain. Tu ne sais pas si tu seras en vie après-demain. Tu ne sais pas si tu seras en vie la semaine prochaine. Tu n'as aucune idée. Alors prends une décision aujourd'hui. Vous recevez une puissance. Et pourquoi je dis ça? Et on parle dans le livre de Actes. La puissance est là pour que tu puisses accomplir certaines choses. Acte veut dire, vient du mot praxis. Praxis qui veut dire les actions étonnantes. Les actions. Et donc, en fait, la puissance que tu reçois, c'est pour faire des actions étonnantes. Et peu importe que tu me dises que tu crois en Dieu ou pas, là n'est même pas le point. Que tu me dises que tu vas à l'église ou pas, là n'est pas le point. Que tu me dises que tu n'es pas dans la religion, là n'est pas le point. Je suis en train de parler de ta propre personne. Tu es une créature de Dieu. En tant que créature de Dieu, l'important pour toi, c'est de faire quelque chose. C'est de te lever de ton fauteuil là où tu es, de te lever de ta chaise là où tu es et d'aller faire quelque chose qui va changer le cours de ta vie. Ton toi du futur est en train de te supplier de prendre plus de décisions. Ton toi du futur est en train de te supplier de sortir de ta chaise et d'aller faire quelque chose. La plupart des gens aujourd'hui, c'est l'excuse qu'ils sont en train de mener. Oh, il y a la pandémie. Oh, il y a tellement de choses. Mais la puissance que tu as reçue, c'est pourquoi? Alors, c'est pour faire quoi? Je dis que nous sommes fatigués, nous ne voulons plus des croyants qui savent seulement mémoriser la Bible. Nous ne voulons plus des croyants qui savent seulement dire que moi je vais à l'église. Nous ne voulons plus des croyants qui savent seulement raconter, parler dans les oreilles des gens pour dire que si tu ne crois pas, tu vas aller en enfer. Nous voulons des Joseph. Il est temps que nous puissions bâtir des Joseph, des personnes dans l'influence. Moi, en tant que pasteur, je refuse une église qui est victime. Je refuse d'être victime. Je veux vivre intentionnellement. C'est pour ça que je lance ce message à une personne qui est en train de me suivre. Toi qui es en train de me suivre, qui est en train de te lamenter. Toi qui es là, tu es en train de prendre excuse sur excuse. Alors lève-toi, parce que tu es peut-être né en ressemblant à tes parents, mais tu vas mourir en ressemblant à tes décisions. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des gens lancent la responsabilité ailleurs. Ils lancent la responsabilité. Oh, si je ne réussis pas, c'est à cause de mon père. Oh, si je ne réussis pas, c'est à cause de ma mère. Oh, si je ne réussis pas, c'est à cause de la société. Oh, si je ne réussis pas, c'est parce que mon père m'a abandonné quand j'étais jeune. Si je ne réussis pas, c'est parce qu'il y a la crise économique. Si je ne réussis pas, c'est parce qu'il y a la récession. Je suis désolé. Tu es en train de te mentir à toi-même. Arrête de mettre la responsabilité à l'extérieur. Prends ta responsabilité. Pourquoi? Parce que c'est toi. C'est toi. Prends des décisions. Nous sommes dans une année de décision. Vous recevez une puissance. C'est-à-dire que tu as une puissance pour créer des choses. Peu importe ce que tu fais, tu peux prendre l'invisible et le commencer à le créer, le ramener au visible. Tu peux faire quelque chose. Comme je disais, c'est une exhortation, mais en même temps un message de motivation pour toute personne qui est en train de m'écouter. Je répète encore, là n'est même pas le point. Tu vas me dire que oh, tu n'es pas croyant. Tu vas me dire que ces histoires-là, ça ne te concerne pas. Ça, on ne parle pas de ça. On parle maintenant de ta vie personnelle où tu dois faire quelque chose. Ça ne fonctionne pas, recommence encore. Ça ne marche pas, recommence encore. Ça n'a pas marché aujourd'hui, recommence demain. Ça ne marche pas demain, recommence après-demain. Ça ne marche pas après-demain, recommence encore. J'admire les bébés, j'admire les nourrissons, parce qu'un nourrisson, un bébé tombe en moyenne 2000 fois avant de savoir comment marcher. Un bébé tombe en moyenne 2000 fois avant de savoir comment marcher. Imagine donc que ce bébé tombe à la 10e fois et il se dit que non, ma vie est misérable, je ne veux plus avancer, je ne veux plus essayer de marcher. Ça n'a aucun sens. Il va essayer jusqu'à ce qu'il marche. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, arrête de te plaindre, arrête de faire dans les accusations banales que tu es souvent en train de dire. Fais quelque chose aujourd'hui qui va te permettre de changer de direction. Ton toi du futur est en train de te supplier de prendre de bonnes décisions. Ton toi du futur te supplie de quitter cet entourage. Ton toi du futur te supplie d'avoir un peu plus d'estime pour toi-même et un peu plus d'estime pour toi, pour quitter là où on ne te respecte pas, pour quitter là où tu n'as pas le respect qui t'est dû, et un peu d'estime pour toi. Prends des décisions. La folie. Et ça, c'est quelque chose que tu dois retenir. La folie, c'est de faire constamment les mêmes choses et espérer un résultat différent. Ça, c'est la folie. Quand on dit qu'une personne est fou ou une personne est folle, c'est parce que tu fais exactement les mêmes choses et tu espères que les choses vont changer.
Tu espères que les choses changeront. Tu espères que oh, ça va changer comme par miracle. Non, tu dois prendre la décision de faire quelque chose. Peu importe ce que tu vis. Je sais que certaines personnes vivent des choses difficiles. Je sais que ça peut être compliqué. Mais ne te limite pas à ça. Pourquoi? Parce que j'ai compris une chose dans la vie. C'est que Dieu donne ses meilleurs combats à ses meilleurs soldats. Et tout ce que tu vis actuellement, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alors j'aimerais dire à une église, arrêtons aux chrétiens. Arrêtons de se cacher à l'église. Il est important de devenir et d'aller à l'extérieur. Il est important de devenir. Peu importe ce qu'on dit, arrêtons d'être seulement des prières. Nous devons devenir des accomplisseurs. Arrêtons d'être seulement des prières, des personnes qui sont seulement, qui multiplient les prières, mais qui n'accomplissent pas ce pourquoi ils prient. Non, on ne veut pas ça dans cette génération. Nous sommes une nouvelle génération, nous sommes une nouvelle église d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai été mandaté pour vous parler. Mon mandat, c'est de sortir cette génération de l'ignorance. Oui, j'ai été mandaté pour te dire, il est important d'arrêter d'être seulement des prières, mais être aussi des accomplisseurs. Une fois que tu as fini de prier, tu dis amen. Maintenant, tu vas accomplir ce que tu dois faire. Maintenant, tu vas travailler. Plusieurs personnes sont là, tu es là, tu es comme ça. Prends la décision aujourd'hui de changer. Prends la décision de changer ta vie, que ce soit dans ton côté professionnel. Si on ne veut pas de toi au travail, crée ton propre travail. Si on ne veut pas de toi dans cet emploi, crée ton propre emploi. Si on ne veut pas de toi quelque part, aie assez d'estime pour toi. Travaille plus dur que les autres. Travaille plus intelligemment que les autres. Oui, c'est comme ça que ça se passe. De toute manière, dans le milieu professionnel, la personne qui travaille le plus, on va détester cette personne parce qu'on va dire que tu te prends. C'est totalement normal. Travaille plus. Sur le côté, sur le plan relationnel, c'est très important. C'est-à-dire que si tu sens que tu n'es pas respecté, cette personne, si cet homme ne t'a pas encore honoré, mais qu'est-ce que tu fais là? Si cette personne, si tu n'as pas le respect que tu mérites, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'hommes sur la terre. Nous sommes 270 millions de francophones dans le monde. Et tu vas laisser qu'une personne gâche ta vie, une seule personne. Faut arrêter à un moment donné. Nous sommes 270 millions de personnes, 8 milliards de personnes dans une planète. Et tu laisses une personne. Pourquoi? Parce que nous sommes seulement dans une île. Il y a 400 000 habitants dans cette île à peu près. Ou bien on a peut-être... En dessous de la barre des 400 000. Mais la Guadeloupe n'est pas le centre du monde. Bien aimé, il y a tellement de pays, il y a tellement d'endroits. Donc tu vas laisser une personne gâcher ta vie. Tu vas laisser qu'une femme qui a un mauvais comportement gâcher ta vie. Tu vas laisser un homme, un fils à maman gâcher ta vie, un enfant de maman gâcher ta vie. Et ça c'est un autre fléau. Où on a certains garçons qui sont âgés. Bien, tu as pris une femme, tu l'as mise dans la maison. Mais à chaque fois, tu vas voir ta mère pour des conseils, etc. Alors que tu as ta femme à la maison. Il y a même d'autres hommes, parfois, je ne sais pas s'ils sont sorciers, ou donc, toi, tu as laissé ta femme à la maison, mais c'est ta mère que tu vas manger tous les jours. Tu ne sens pas qu'il y a un problème là? Et si je devais même parler aux mamans, à toutes les mamans qui acceptent que leurs garçons viennent manger chez eux à chaque fois alors qu'ils ont des femmes, ça c'est la sorcellerie que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de gâter un foyer, ça c'est la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas seulement le fait de voyager, c'est ça, c'est le fait de gâter un foyer. Donc toi tu acceptes que pendant que ton fils a une femme, tu acceptes qu'il vient parce que quoi, tu fais trop à manger, tu fais trop bien à manger. Il faut arrêter ça. Il est très important de prendre des décisions aujourd'hui. Prenons la décision de changer. Et on doit prendre des décisions. De la même manière qu'il y a certaines femmes. Il t'a montré déjà qu'il n'est pas la personne pour toi, mais tu restes. Ah mais attends, tu restes là. Aie un peu d'estime pour toi-même. Tu mérites mieux que ça. C'est un peu la parole que j'ai donnée en début d'année. J'ai dit, tu mérites mieux. 2022, tu mérites mieux. Toi qui es en train de me suivre, tu mérites mieux. Tu mérites d'avoir un meilleur foyer. Tu mérites d'avoir un meilleur travail. Tu mérites d'avoir une meilleure situation. C'est pour ça que je suis là pour te parler. Tu mérites mieux. Je suis là pour t'encourager, pour te dire que, écoute, ne laisse pas une situation difficile. Ne laisse pas une situation temporaire te faire croire que tu as une mauvaise vie. Ne laisse pas une situation difficile, une situation temporaire te faire croire que tu as une mauvaise vie. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se lever, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour gagner, il y a un temps pour perdre, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour tout. Donc ne laisse pas une situation difficile te faire croire que tu as une mauvaise vie. Prends des décisions. Nous sommes dans une année de décision. Tu dois vivre intentionnellement. Rappelle-toi, tu es peut-être né en ressemblant à tes parents, mais tu meurs en ressemblant à tes décisions.
C'est pour ça que nous voulons une nouvelle génération. Nous ne voulons pas une génération qui laisse moi les choses arriver. Ou encore tu laisses parce que quoi? Parce que bon, la vie est comme ça, parce que le monde est comme ça. Je dis non, je refuse cette doctrine. Nous voulons une génération de pères, une vie intentionnelle. Tu as une vie intentionnelle. Nous sommes là pour bâtir le mental. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là, pour bâtir le mental. Quand tu viens dans mon église, mon objectif c'est de bâtir ton mental. C'est de changer ta manière de penser. Il est inadmissible que tu écoutes une de mes prédications. Une seule, et tu ressors de la même personne. Ce n'est pas possible. Demande aux gens qui viennent. Il est impossible. Dès que tu rentres là, tu écoutes une seule fois, ta vie change. Ton mental change. Ça, c'est très important. Alors, c'était vraiment une exhortation, mais en même temps, un message de motivation pour toutes ces personnes-là. Tu es là, tu es assis dans ton canapé. Tu es assis depuis parce que tu penses que la tragédie... Écoutez, je vais conclure avec ça. La tragédie de la vie aujourd'hui, c'est que les gens pensent que Dieu fait des chaises. La tragédie de la vie, c'est que les gens pensent que Dieu crée des tables, que Dieu crée des fournitures. Dieu n'a jamais créé aucune chaise. Dieu n'a jamais créé aucune table. Par contre, il a créé les arbres. Et comme il a créé les arbres, il a donné l'intelligence à l'homme, afin que tout homme maintenant, homme grand H, homme et femme, tout homme ait l'intelligence d'aller couper son propre arbre et faire sa propre chaise. Aujourd'hui, je vois les prières, Dieu demande aux gens des chaises. Demande, Dieu t'a donné l'intelligence, le cerveau, que tu ailles couper ton propre arbre et que tu fasses ta propre chaise. Et ça, c'est dans tous les domaines. C'est pour ça que je prie, que comme tu m'as écouté ce matin, j'aimerais te dire que c'est le temps de changer, c'est le temps de prendre une décision. Tu ne m'as pas écouté au hasard, prends la décision de faire quelque chose qui va changer ta vie du futur, qui va améliorer ta vie. Et peu importe ton âge, si tu me parles de ton âge, tu es hors sujet. Les gens passent la moitié de leur vie à dire qu'ils sont trop jeunes, l'autre moitié disent qu'ils sont trop vieux, à la fin de leur vie ils n'ont rien accompli. Si tu me parles de ton âge, tu es hors sujet, complètement hors sujet. Parce que est-ce que tu es déjà mort? Ta vie n'est pas finie. Et je prie que Dieu réellement puisse changer ta vie, que Dieu puisse changer ton mental au nom puissant de Jésus. Si tu veux plus de ce genre de message, je te dis, nous sommes le réveil des nations internationales. Nous ne croyons pas en la religion, l'amour est notre religion. Passe faire un tour chez nous. Déjà demain, nous avons un culte de gloire et de puissance. Demain matin à 10h. J'ai commencé une série qui s'appelle « Posséder sa terre promise » où j'explique aux enfants de Dieu que la vie, ce n'est pas au ciel. La vie heureuse, ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. Dieu n'a jamais donné un ciel promis, mais il a donné une terre promise. Donc si quelqu'un te dit qu'on doit attendre d'aller au ciel pour être heureux, c'est le mensonge, c'est une mauvaise doctrine. C'est sur la terre que tu dois être heureux. D'ailleurs, qu'est-ce qui te garantit même que tu seras heureux au ciel si tu n'es pas heureux sur la terre? Parfois les gens réfléchissent, c'est sur la terre. Donc j'ai commencé cette série depuis déjà 4 semaines et je continue demain. Donc demain 10h, 13h du gazon de Bougonne, Petit Perreux aux Abîmes, viens écouter, de toute manière tu n'as rien à perdre. Prends la décision aujourd'hui, prends la décision. Comme j'ai dit, quand je prêche souvent ou bien quand je parle comme ça, je ne parle jamais pour tout le monde. J'ai parcouru le monde, j'ai un livre, nous sommes dans plus de 16 pays, j'ai fait des conférences, j'ai rempli des stades. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas jamais pour tout le monde, c'est pour une personne qui va prendre la décision à partir de maintenant de changer les choses. Donc demain 10h, viens écouter un message glorieux. Cet après-midi à partir de 15h, ce samedi 15h, si tu as des jeunes à la maison, tu veux qu'ils changent, tu sens que leur comportement n'est pas comme il se doit, tu as besoin qu'ils puissent être en contact avec d'autres choses, pas forcément avec ce qu'ils entendent à l'école, ramène-les cet après-midi à 15h. Ils seront en contact avec d'autres jeunes qui ont compris leur identité et ça va leur faire du bien. On a besoin d'une nouvelle génération qui change tout. Alors la semaine prochaine, dernière annonce, c'est que le vendredi, samedi, dimanche, la semaine prochaine, nous avons un séminaire prophétique dont le vendredi et le samedi, nous allons commencer à 17h30 vu le couvre-feu et nous avons à disposition des attestations. Nous donnons des attestations afin que tu puisses rentrer tout en sécurité à la maison. Si jamais tu habites plus loin, on va te fournir une attestation. Comme ça, tu pourras rentrer tranquillement chez toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était juste un message pour vous encourager. 2022, c'est une année de changement, une année de prise de décision. Je refuse d'être comme avant. Alors, j'aimerais te dire donc, si tu ne changes pas, 2022 sera exactement comme les dernières années. Mais comme je ne veux pas que ça soit comme les dernières années, c'est pour ça que Dieu m'envoie pour à chaque fois vous parler, vous motiver. Et parler de cette manière pour que tu comprennes. Prends la décision maintenant. Je répète toujours, une des phrases avec lesquelles je marche, c'est que les conséquences des décisions que tu ne prends pas sont plus dangereuses que celles que tu prends. Je répète, les conséquences des décisions que tu ne prends pas sont plus dangereuses que celles que tu prends. Prends la décision de changer ta vie. C'était votre serviteur, le pasteur Angel King. Nous sommes là encore pour vous motiver et à vous surpasser, ça c'est sûr et certain. Donc on se dit à cet après-midi pour les jeunes et à demain pour un culte de gloire. Viens essayer quelque chose que tu n'as jamais entendu. De toute manière, tu n'as rien à perdre. Ça, c'est pour les personnes, les acteurs. Je ne parle même pas aux spectateurs, les acteurs. Que Dieu vous bénisse.